Oui. Il faut que je vous explique, hein. Voilà, je suis très difficile à coiffer, vous voyez. Premièrement, j'ai la bosse en pain de sucre, vous voyez, la tête en pain de sucre. Deuxièmement, la bosse de calcul ici, elle me fait un plat là, ici, là, exactement là. Troisièmement, j'ai le juron. Alors, moi, je pense qu'il faut gonfler les pattes ici pour pigeoter le visage. Et, si on peut se faire, et alors? J'écoute pas, j'entends rien. Vous avez pas honte, non? Hein? Vous, un coréligionnaire, un ami d'enfance de Giorgio Blanon de Bouffari, que vous venez me dire à moi, le plus grand coiffeur d'Afrique du Nord et de Navarre, vous venez me dire à moi, j'ai les jurons, il faut me biseauter, j'ai la bosse de calcul, j'ai un plat derrière la tête. Et moi, je vois pas la tête d'abruti que vous avez, non? La tête de pastèque, là. Vous avez lu l'annonce derrière, là? Au ciseau d'or, mon pote. Tu as compris? Au ciseau d'or. Oui, ça me dit quelque chose. Au ciseau. Mais c'est mon coiffeur. C'est lui. Ah, alors je vais vous faire un coup de splèquement. Oui. Vous prenez tout droit, tout droit, tout droit. C'est bête, hein? Et je sais très bien pour aller à un vélomoteur. Mais pour aller en voiture, ça, je connais pas. Maintenant, vous pouvez relever la tête. Alors? Alors? C'est bien. Bien. Qu'entends-je? Ça, c'est bien, ça, j'ai jamais entendu vous dire ça. Bien. Ça, c'est bien, ça. Mais c'est génial, ça. Oh, c'est extraordinaire, c'est fantastique, ça. Ouais, c'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est le dernier cri du Mohican. Ouais, c'est génial, officiel, c'est génial. Alors? Officiel. Monsieur Prosper, je m'excuse, hein, c'est peut-être un effet d'optique, j'en sais rien, mais j'ai l'impression, j'ai une image, hein, qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, une patte qui est un petit peu plus courte que l'autre. Ah, bon. Ah, ça c'est mon défaut. Ah, non, ça c'est mon défaut, j'ai jamais pu réussir les pattes. Ça c'est... Polo, viens lui finir les pattes là de ta mère, viens, viens. Allez, ça fait 12 500.